Pour moi, c'est une véritable chance en plus pour eux. C'est une chance à saisir. L'état d'esprit dans une équipe, si l'état d'esprit déjà est positif, on a déjà beaucoup gagné. On a 4 matchs à jouer, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé d'amener avec le staff, c'était de créer un gros lien et de se dire qu'ils se battaient les uns pour les autres. Jamais j'aurais pensé jouer contre des équipes comme Porto, Paris, Man City et tous ces gros centres. Mais maintenant, c'est devenu mon objectif de jouer dans ces clubs. Quand je sais que je vais jouer contre eux, je me donne encore plus, donne tout sur le terrain. C'est dur de passer en Ile-de-France parce qu'il y a beaucoup de grands talents. Il faut se battre pour réussir. On a eu une dotation Adidas comme les pros. On a réussi à créer une équipe. Et après, sur le terrain, on crée notre propre style de jeu. Je suis un joueur plutôt rapide qui va aimer, par exemple, des doublés et tout ça. C'est pour ça que les X m'allaient super bien. Je trouve qu'au niveau légèreté et tout ça, il n'y a pas mieux. Ensemble avec l'équipe, on a tout donné et je pense qu'on a réussi ça. En étant des guerriers, on a réussi notre job. La technologie GoalTime pour un éducateur, je trouve que c'est un gros point fort parce que ça permet de travailler sur peut-être des points faibles, d'inciter sur des points forts et surtout d'avoir un retour individuel sur chaque joueur. On l'a vu aujourd'hui, les stats ont prouvé et cette application a prouvé qu'on était dans le vrai. Il y a des joueurs qui méritent d'avoir une chance au-dessus. Tonser peut vraiment aider les joueurs à se faire repérer à ce tournoi, à la Vinci Cup. On voyait qu'il y avait beaucoup de recruteurs, et donc grâce à eux, on aura peut-être des tests à aller faire. Sur la performance de mes joueurs, moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part que je suis fier d'eux. Ils ont su se battre chacun les uns pour les autres. Rivaliser avec des clubs, avec un centre de formation comme il y avait en face de nous, je leur tire mon chapeau et vraiment, je les félicite, je suis fier d'eux.